Ça même, qui j'en ai, c'est James Scott qui est entré à la caillou avec Vue sur Haïti. Donc, nous retournons à une autre série. Et je dis à nous, on parler de supply chain. Nous allons regarder qui, conséquences, qui ça qui a passé dans supply chain pour journée aujourd'hui là. Face à situation qui présentait, crise qui présentait, hein, avec question de virus corona. Donc, encore, c'est Hosu. James Scar qui retourne à la caillou avec Serisa. Donc, nous allons parler ensemble avant sur l'impact qui gagne sur supply chain. Et pas oublier, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des questions, suggestions, commentaires, faites-nous connaître. Nous allons aller avec ça même. Ok, nous allons parler de supply chain pour aujourd'hui. Supply chain, c'est qu'à expliquer le concept bien rapide, bien vite. C'est tout système, ensemble, tout système qui fait que vous pouvez acheter un produit de un point et vous délivrer le bas un point. Là-dedans, les gains, dans le système, ça vous joue là-dedans, tout ça qui a rapport avec production, distribution, packaging et tout bagaille comme ça. Donc, aujourd'hui, avec la question COVID-19, qui c'est ce genre souterrain, hein? Donc, il a validé. Hein? Donc, il y a une pire conséquence que nous jouons qu'on y a dans le système ça. Dans Santa Carrelle supply chain là. Donc, pour aujourd'hui, nous allons parler ensemble avant pour nous voir qui est le problème et qui j'en ai résolu, qui solution qui possible sur la question supply chain là. Et avec question COVID-19 là. Et que nous connaît qui pas prêté pour tout temps mais impact yo pral vraiment en pile et yo pral vraiment dû et qui ça ka fait à court et à moyen terme et qui ça ka fait tout dans long terme pour nous corriger problème parce que si nous pas corriger nous risque frapper encore donc n'a pas dans le même côté derrière. Donc pour nous faire retourner bien vite pas oublier que avec supply chain système ça nous gagne journée aujourd'hui. Donc, c'est un système que nous héritions par rapport à la globalisation. Donc, avec la globalisation, on nous dit, bon, on nous retire tarifs, on baisse les quotas, et donc, ouvrir le marché pour produits avec services qui pénétrer. Donc, nous venons tout un système que nous, on machine, nous bien bâtirons pour tout service qui a coulé, on a dit, sans problème, côté. Et yon moun nou ka besoin par exemple fè un logo et puis ou pas besoin faire peut-être en Haïti ou pas besoin faire ici ou ka venir faire yon moun ki Pakistan ou bien ki India ki ka faire pour ou puis mon marché donc avec Fiverr et puis ou acheter service ça donc ça c'est service mais on dit par exemple ou acheter yon bagay la Chine et puis ou chita en Haïti ou vin jwenn produit ça par le biais de différents points de distribution donc produit ça vin jwenn nou. Donc, qui fait qu'avec nous, soit par DHL ou bien par Bacon FedEx ou bien par UPS, c'est parce que vous contactez différents points, ça vous fait produire arriver beaucoup tôt. Donc, tout ça, ça fait partie de supply chain. Même j'en tout, manger et l'autre bagaille. Donc, tout ça fait partie de question supply chain. Mais, je vous dis avec question de COVID, dans le même ou l'autre phénomène. Phénomène, nous, commence à passer, nous venons moins en pile pays qu'on a pour protection, yo, et pour pas quitter surtout pays qui ont commencé à pouvoir baisse et où le tempérament a commencé à sortir en pile et pays côté ils ont monté et qu'on est descendre ils ont tendance à bloquer frontières pour rien pas sortir rien monde pas sortir monde pas rentrer raison c'est parce que pas le mal à propager donc nous commencé ouais en pile en pays c'est une tendance nationalistique qui commençait on s'en retourne. Et tendance nationalistique, ça, il n'a qu'à dire deuxième bagarre que nous voyons ensemble avec eux. Quelle fois tendance à gagner, sur son vidéo, de parler sur ça déjà, et des sentiments anti-migratoires. Côté que, ça, par exemple, après ça, la Chine, en pile, dans mon lieu, qu'on y a, ils ont commencé à blâmer les migrants, que c'est eux qui sont ce problème, ils ont commencé à maltraiter eux. Et nous, ça, tout, à continuer dans un pays qui, plus ou moins, il n'a qu'à dire, ils ont, une machine qui préparée, d'accord, pas bon site. Pour vous immigrants tourner tout dernièrement là nous sommes pour que vous voyez on appelle 229 haïtiens retourner et sortir des États-Unis donc tout ça c'est où joindre sentiment ça a commencé par
Et avec même question COVID là tout et l'autre problème politique que le causait, où j'en appelle fois tout que gen moun gen ces moments les propices pour une série de lois qui a passé ou bien une série de lois, une série de lois qui a fait réémergence alors que loi ça a supposé dans période de grande crise ou dans période de guerre pour ben ça pour machine ça a été en action. Donc ou joine donc nous un peu mon carré les soir carré de l'abus de pouvoir ou bien autre. Donc COVID la baille question pour bagasse à eux-mêmes, ils repartent. En termes de question économique, toujours, que nous gardé avec question COVID-19, c'est ton choix économique. Ça nous réussit aujourd'hui à la, ce supply chain que nous réussit aujourd'hui à la, et c'est conséquence que nous payé. C'est ton choix économique. En pile pays, ils ont trouvé que trois chers pour eux-mêmes, pour eux, produire la caillou, eh bien, gon l'autre côté qui sont factory, c'est bien plus différents points qui c'est factory dans le monde, elle était passé plusieurs côtés. On l'a c'était Mexique, on l'autre là était Indonésie, on l'autre là était l'autre côté. Et puis bon et en final côté qui développe plus infrastructure pour ça, c'était la Chine, il vient donner factory le monde. C'est ton choix côté non c'est son on sait ça dans carré dans économie. Yon avantage comparatif. Côté ça m'a payé pour me faire la camoyen si m'a fait de le bon marché et avec ça m'a importer retourner et service avec produit ça retourner sur marché côté mené côté mien. Donc et journée aujourd'hui ça la payé c'est que nous pas en pile pays pas bien capacité pour redévelopper ou bien redémarrer ou bien remettre et question infrastructure ça pour repositionner infrastructure ça encore ou bien pour positionner dans sa carré corps infrastructure pour repartir avec machines ça yo même pour produire localement. Donc à court terme et ça a toujours là c'est seulement nous ca ranger et c'est corriger mais à moyen terme nous ca retourner la question production et localiser et non nous ca localiser nous ca retourner produire localement. Mais là d'où bon la question est-ce que en pile pays bon nous gain tendance moun immédiatement ça fin passer après COVID et pour retourner dans normal, retourner normal donc nous m'a même oublié que ça a déjà passé donc nous pas vraiment retourner n'a continuer bon pas la peine qu'on a changé le système dans janvier hein. Donc n'a retourner dans même côté derrière peut-être bon nous pas connait donc si n'a retourner là-dedans donc ça c'est ça mais nous avons tendance ça et l'autre conséquence économique que ça a gagné c'est d'avoir décidé un don trade off donc m'a prendre ça on ca bailler ça donc pour qu'on fait ça, licence donc nous bail pour qu'on prend ou l'autre. Donc gain l'autre bail qui plus lucrative, gain l'autre bail qui bail plus cob ou bien qui mène un business mais plus bien. Donc on préfère faire que mal perdre du temps dans question de faire bail qui rapport factory. Bon, si c'est un service que plus bon que me ca bali, donc service plus bon moi et me suis dans service et puis on l'autre mon a qui a question de production. Donc ça a tout son série de choix économiques qui mènent nous kounya jodia, ça a fait partie de piliers qui gens nous bâti qui sont de supply chain que nous gagnons jodia. Mais problème qui va avec supply chain nous journée jodia là prend baf parce que il déjà montré là prend baf il vraiment sont en pile pression et que pas qu'à répondre question m'a pour nous kounya c'est que problème ça nous gagne combien de temps qu'après là dedans parce que problème ça nous gagne avec tension ça qui a bâti qui a pression ça qui gagne sur supply chain là li pa ka rete comme ça pour un pile temps parce que si rete comme ça la c'est comme ça son élastique quoi de tirer pop pété donc faut qu'on côté faut commencer porter solution à par ça donc avec question ça dans pile secteur et qui vraiment affecté par bagage ça ta coup secteur qui gagne là dans la pile petit business en pile et entreprise moyenne il est vraiment affecté peut-être grande entreprise il gagne l'autre infrastructure parallèle que il pas il pas affecté mais pas affecté dans même gens avec micro petit avec moyenne entreprise donc ça c'est là bagage mais tout secteur ça nous tout utiliser même système dans son machine donc il passe par notre bus il passe par nous tout nous tout là dans la radio nous descend à différents points mais nous tout là dans parce que nous a fait échange de services échange de produits et tout ça
Donc, nous tous dans le même bus. Qui problème, par exemple, nous remarquons qui vient aujourd'hui avec la question de supply chain? Nous regardons, par exemple, tout le bagage au ralenti. L'économie mondiale au ralenti. Par exemple, si vous avez un package sorti Boston pour y aller à Miami, normalement, on va qui est supposé prendre peut-être 3 jours maximum. On peut commencer à prendre 6-7 jours. Alors, 6-7 jours d'affaires, ou on commence à prendre pour arriver. La raison, c'est parce que commence à gagner un pile stress, un pile pression sur supply chain. Raison, au jeune, par exemple, gagne manquer qu'on a travaillé. Avec la question Covid, là, puis secteur touché, monde qui malade. Donc, ça, il est obligé de faire un petit camp. L'autre problème qui passe tout, c'est pas gagne monde qui pas contaminé, mais monde qui pas contaminé, en pile là-dedans, que le travail fait un choix. C'est soit vous travaillez à la caillou, soit si travail vous demandez, il y a un dispositif qui ça qu'a fait pour travailler à la caillou, ok, pour travailler à la caillou. Mais il y a l'autre côté compagnie qui n'a pas besoin de monde pour faire service ça. Donc, s'il n'y a pas besoin de monde qui pour faire service ça, donc, gros problème, il est tout coupé. Et que monde ça n'a pas pour remplacer. Si vous pas pour remplacer monde ça, l'économie n'a pas pour, d'accord, c'est un coup, un poumon, donc, les contractés, il n'y a pas pour ouvrir encore. Donc, ça a gagné, si casse les gens, c'est solide pour vivre. Et sous, pendant la vie solide, donc ça a même limité et quoi, dans l'autre état. Donc, peut-être, ça a un problème ou pas qu'à respirer bien, peut-être, ça ou commencer par sa route, et ou bien tout cas, des problèmes. Donc, ça c'est, pression, ça a qu'on a commencé à exercer avec question, par exemple, le travailleur qui n'a pas de chaîne là. Qui pour bail service ça dans supply chain. Et un secteur par exemple qui affecte un peu la question ça c'est question de alimentation. Et question alimentation, il y a un problème parce que ou gagne dans là par exemple pour transporter et manger et là on a un pile bagage qui périssable. Donc il y a un nombre de temps pour transporter et là pas assez de travail qui pour faire et surtout nous venons un deuxième problème qu'on a avec question de restriction qu'on a parlé auparavant, c'est pas seulement qu'on a ou j'ai un pays bloqué, mais un pile blocage, c'est pas seulement à niveau de pays à pays, mais tout, j'ai un pile pays, par exemple, de yon point à l'autre, gain blocage, et blocage ça yon, et surtout, par exemple, état et pays qui, c'est fédération, t'as coupé à Brexit, yon état mettait en loi, ou l'autre mettait en loi, donc ça vient cause un problème, gain yon côté cohérence imparfaite, donc qui vient créer friction, et avec blocage ça yon, que matériel ça va pas délivrer à temps. Donc, ils vont créer l'autre pression encore sur supply chain. Donc, si, pour nous donner un exemple, manger, c'est même bagarre. Si, par exemple, vous mettez des blocages, ça, vous pouvez délivrer, faire livraison, et vous pas qu'à faire, joindre accès à point ça, donc, cargaison, conteneur, ça, pour dire, il y a tout quatre problèmes là-dedans. Et ça là vient créer problème. Il vient créer un déficit pour compagnie qui acheter hein. Il vient créer une dette pour compagnie qui vend hein. Donc lui-même il vient créer une réaction en chaîne parce que ou même au besoin consommer produits ça que t'as porté ou pas qu'à joindre ni qu'on a qui vient mettre ou même dans l'autre problème de rationnement et rationnement ça qui vient créer un autre problème puis devant côté que compagnie le ça rien il pas gain à disposition de tout le monde qui ca faire soit ou ca faire une hausse des prix et tout ça donc il vient créer une réaction en chaîne mais on parler de solution c'est vrai nous dit que ça sorti dans globalisation mais si sorti dans globalisation est-ce que peut-être nous ca repenser question globalisation hein, dans terme de supply chain non pour apporter une solution peut-être à court et à moyen terme ou bien même à long terme à court terme, il y a très peu qu'une café. Mais nous avons commencé à penser pour moyen terme. Pour moyen terme, par exemple, et quelque part que nous avons fait, nous avons par exemple commencé à gagner un changement dans le pays qui a repositionné. Et par exemple, si vous regardez ce qui a passé dans le sud-est Asie, avec Vietnam qui commençait à biffer l'infrastructure là, parce que les voulaient commencer au sens repositionnel. Comme un acteur côté que Kounia ka il ka fait même ça la Chine fait c'est vrai pas ka faire la toute dimension parce que l'infrastructure a pas là c'est il pas gagner dans point la Chine qui gagne mais quand même il commencer à bâtir infrastructure ça
Et dans le temps où tu as appris dans le bagage, tu as appris quelques secteurs, surtout dans le textile, tu as produit dans la zone, jusqu'à présent, même si nous avons un minimum, tu as produit dans la zone Indonésie. Donc, zone ça, par exemple, pour conseiller le secteur, où tu as commencé à court et à moyen terme, commencer à créer pôle de production. Une fois que vous avez un pôle de production, que vous connaissez, si vous avez un côté, ou gagne un problème, tant que ça se passe là avec COVID-19, c'est tout le bagage qui va sortir la Chine et avec construire qui vient ou pas qu'à retirer produit à la Chine pour mettre de l'autre côté, eh bien, avec différents pôles de production, on dit par exemple, ou bien Brésil, ou bien Argentine, ou bien quelques pays dans le Caraïbes qui répondent à bagage ça pour tant que peut-être qu'il y a une infrastructure ça, ou bien peut-être la Dominicanie qui répond à forme infrastructure à un minimum. Et ou bien Haïti, par exemple, qui est en position géographique qui très convoitée, qui a pôle de produit, qui a tout nos pôles de production encore pour produits et vers l'exploitation. Donc, si, avec création de pôles, donc, de pôles de production, donc ça apprend à diversifier et par rapport à une diversification dans la supply chain, nous, côté, eh bien, si on côté attaqué, et on côté gros problème, eh bien, donc, on peut joindre produit ça de l'autre côté, donc, on peut joindre ça en besoin de l'autre côté, il n'y a pas besoin d'arrêter toute forme concentrée dans un seul côté. Donc, il n'y a pas besoin d'autre barrière pour la Chine, il n'y a pas besoin qu'on a la Chine, pas l'objet, c'est pas le gâteau ça, on ne sait pas les pages, puis plus, c'est pas tourner dans la radio, factory le monde, mais là, toujours peut-être été un acteur qui est important, mais à bien acteur qui avec des pouvoirs considérables, donc qui apparaît. Ça c'est une solution à court et à moyen terme. À court et à moyen terme, nous avons différents points comme c'est gagné, par exemple, et où joindre une zone tant que Jamaica, comment c'est gagné, et où joindre l'autre zone tant que Dominicanie, comment c'est gagné. Et Porto Rico, t'es un hub dans une période. Et qu'on est après tant de cyclones qui frappaient Porto Rico, yo. Donc, ça, on s'est crasé et nan pouvoir Porto Rico dans ça. Mais c'est créer une série de hubs. Donc, distribution, ça a côté, qui prend, on s'est aller comme des structures parallèles. Côté au café stockage, au café large warehousing. Donc, les gros problèmes qu'on connaît, bon, ok, il y a un robe là, il y a différents robes là, donc ça a toujours matériel, a toujours venu joindre nous, parce que le matériel ça a été stocké dans différents points stratégiques, donc dans différents robes, all around, et puis donc matériel ça a toujours venu joindre nous. Ça c'est le deuxième bagage, solution qui capotait. Et troisième, l'autre bagage qui capotait, c'est qui a toujours marché ensemble avec robe, c'est segmented supply chain. Segmented supply chain, si vous avez une série de nodes, une série de points, dans ce pays chez nous, si on va arriver, donc, on connaît ça, les cas automatiquement déconnectés, pas contaminés, donc, les pas fait trop effet, et par rapport à l'autre point, donc, l'autre point qui a toujours été les mêmes campés pour col, donc, pour produits, et soit vers l'extérieur, ou bien, n'importe forme de production qui, une forme de modèle, donc, qui veut opérer, donc, pour porter solution à base. Donc, il a retiré là-dedans pression sous, supply chain là pour le bagage ça va passer et raison de dire pour le bagage ça va passer et si nous suivons bien histoire question de crise à eux donc a dit que bien le cas venir on va connaître avec qui en force qui a venu avec qui impact qui a fait sur l'économie mondiale là mais nous a presque garanti que nous crise à eux a toujours venu et a venu dans à un point où on l'autre dans l'histoire et l'humanité. Donc, tout autant que l'économie mondiale, l'économie moderne mondiale, les gens la fonctionnent là, donc nous avons garanti que l'air passé, il y a toujours porté pression, il y a toujours fait effet, et l'effet a toujours censé paraître négatif sur plusieurs secteurs. Et surtout, je vous dis que le supply chain, nous, j'en fait là, tout secteur, nous connectons d'une façon ou bien l'autre, les connecter d'un secteur à l'autre. Si vous devez un secteur frappé, vous venez tourner, ou presque vous venez un domino effect. Côté que depuis on gagne domino tomber donc c'est possible que tout pas tomber ou bien accrocher donc ça c'est un problème donc pour nous essayer commencer à penser sur ça et commencer à porter des solutions qui à court moyen et à long terme donc pour essayer corriger erreur qui était faite dans supply chain dans l'état bâtil parce que nous pas grand-chose les systèmes n'ont pas fait des machines n'ont pas fait qui pas prévoir
Donc, une fois que nous connaissons, nous avons dit, bon, nous y a venu, et bien, on commence à préparer pour nous. Parce que nous faisons mon l'autre, les frappes, les frappes, les frappes mon l'autre, et nous faisons mon l'autre, donc tout connecté. Donc, les vins potés ont un effet qui vraiment est négatif et les bloquer. Et bah, c'est ça qui a passé pour nous. Donc, ça a bloqué l'économie mondiale là. Qui fait que l'impact ça a un côté, même si ou pas vraiment directement connecté avec, mais indirectement on senti ça qui a passé parce que le marché mondial là vraiment, l'économie mondiale est vraiment connecté. Et supply chain, c'est même machine avec des services, et même bus ça nous tout prend, même si nous descendons à un point, nous pas arriver dans à toute distance, donc nous quand même monter même bus là. Comme ça, nous le faisons encore sur des questions, sur des suggestions, sur des commentaires. C'était un moment encore. James Eliska, on a vu sur Haïti, et m'a pas donc encore pas oublié pour abonner à Chenza. Comme ça, même, restez là, pas oublier, prends soin de tout, prends soin de famille. Protéger entourage ou protéger les amis, pas prendre la main, pas prendre la main, laver les mains, donc faire pratique ça, que mes distances sociales et leur sortir, et toutes les fois que c'est possible, pour ça, hey, ça même, d'avoir un peu encore, qu'il y ait là, à l'autre soleil.